Voilà. On est de retour. Sans plus tarder, on va tag avec cet event chaman en espérant que ça nous réussisse mieux que le démo. Alors, dans le mulligan face à un warlock, vu qu'à coup sûr ça va être un zo, je pense que c'est bien de garder ça et ça, et on peut virer de ça. Parce que y a, alors, dans l'état actuel des choses, il y a 80% de chances que ce soit un zo. Donc, vaut mieux tag comme quoi c'était un zo. Et évidemment, c'est un kill. Bon, là, je ne dis plus rien. C'est juste fait exprès, c'est du putain de troll en fait. Hein, genre, je mulligan comme c'est un zoo. En plus, je jouais avant le démo père et il se fait exploser le cul donc. Là, c'est peut-être du... Après, c'est peut-être juste que le deck, j'arrive pas à le jouer correctement en fait. Et du coup, ben voilà, mais. Est-ce que j'ai envie de lui mettre de la pression? Pas actuellement. Mais ouais, c'est du troll quoi. C'est du troll sévère ça. Plus là, il fait tout ça, c'est qu'à mon avis, il a son putain de géant en main. Ah! Un dragon, alors pourquoi je le tape pas? J'ai pas envie qu'il ait la 7-7 trop vite. Parce que pour l'instant, j'ai rien pour gérer cette 7-7. Donc c'est juste pour ça. Évidemment, il y a le fire. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui jouent le deck, quand c'est pas moi, font des trucs de niquer avec. Je pense qu'on va juste totem. C'est ce qu'on voulait. Have turned our curse into our strength. Hello.
Bon, ceci est un match tempo. Ceci est un match tempo, je pense que je peux dire ça. Voilà. Sans trop de problèmes. Alors, je sais pas pourquoi il y a cette carte qui est rentrée dans les. Ah oui, parce que c'est flexible. Oh la chatte du type, quoi. Est-ce que je. Fait pièce. Je pense que oui. Parce que pour l'instant, il la poste pas. Et puis, faut se dépêcher de la mettre avant qu'il y ait la kire qui vienne dans notre main. Comme ça foutrait la merde. Bah, une fois qu'il y a la kire dans la main, je vous le dis un truc, car elle est useless as fuck. Parce qu'elle a plus bouclier divin. Et, enfin, elle a plus, je veux dire, furie du vent. C'est un peu moins worse, quoi. Alors que là, ça peut mettre 6 points de dégâts face, quoi. Le but du deck shaman, c'est d'être aussi très dans la gueule. Hein. C'est d'être aussi. C'est pas comme le démo. Le démo, c'est plus, on va dire, contrôle. Là, c'est vraiment un deck qui est fait pour rentrer dedans, quoi. Je pense que là, je vais prendre le double trade juste. Voilà, ça c'était prévu. De toute façon, ça se voit, hein. Tu regardes la liste, il y a les flammes tongs, donc c'est des totems qui donnent plus 2 d'attaque au truc à côté. Il y a vraiment que des trucs pour aller dans la gueule, quoi, même à la fin. Hein, ce qu'il y a Kalimos, enfin, c'est vraiment du lourd, quoi. C'est vraiment un deck, contrairement au démoniste père, c'est vraiment, là, c'est vraiment un deck qui est dans le pur. On va, c'est un deck un peu plus. C'est plus mid. Alors que le démo père, je le mettrais plus comme étant contrôle. Évidemment, il veut ping. Évidemment, j'ai pas de tour après. On peut juste primer le rond et espérer un totem de ville. Oh oui! Merci! Tu n'as pas le ping sous la 4-2, Bouyachaka. Peut-être le seul truc qui manque à ce deck pour être smork, c'est furie. C'est une comment ça s'appelle encore? Blood Fury, je crois. Le spell à 5 qui donne plus 3 à tout le monde. J'adorais jouer Shaman Evolve en wild. J'adorais vraiment jouer Shaman Evolve en wild. Vu que là j'ai un peu abandonné le wild, du coup je le joue pas. Mais j'adore Shaman Evolve. On peut se permettre de prendre ce trade, hein, évidemment. Et puis on peut se permettre de jouer autour d'une éventuelle notre rune explo. Mais si c'est pas rune explo, c'est chiant. Pire, je m'en fous en fait. Ah, le dilemme. Oh, NP. Ah, ouais, ça va être une rune. C'est pas une rune. Mauvaise lecture. Je me suis dit, si c'est une rune, c'est terrible parce qu'en fait, mon géant est facilement tuable et j'ai envie qu'il mette la pression. Donc du coup j'ai préféré jouer autour de runes en mettant voilà, jongleur de couteau plutôt que de tenter le diable en fait. Je me suis dit c'est peut-être plus worse comme ça. Bon, ça par contre c'est une rune. Et qu'on vienne pas me dire le contraire. Après là, honnêtement, je pense que. Peut-être du hex avant.
C'était bien mis en plus. Du coup, on va. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus rentre dedans que le démo père, quoi. Là, évidemment, on avait gagné, hein. Y a rien qui le faisait revenir. C'est un match tempo, il peut pas faire de miracle. Donc, c'est normal qu'il concède. Alors, contre druide, il va falloir. Ah, ça dépend du type de druide que c'est. Si c'est un druide token, ça va être compliqué. Si c'est un autre type de druide, par contre, ça risque d'être, je pense, un poil mieux pour nous. J'aurais peut-être pas du totem pour jouer autour du fait que, ben. On peut être juste en faire un, c'est pas déconnant. Comme ça, si au prochain tour il fait rien, on fait flamme tongue et puis. Blé, blé, blé! Voilà, ça part sur flamme tongue. Blé, blé! Ouais. Dis pas qu'il fait nourriche. Le mec s'en bat les couilles! Ah, mais il va jaspe. Juste. Alors évidemment avec ce deck c'est compliqué de jouer autour de en early c'est difficile de jouer autour de plague. Après si la plague tant pis. De toute façon si la plague en fait mon géant des mers il coûte moins cher. Donc en fait limite ça nous arrange qu'il claque une plague à 3 ou à 4. Parce que du coup le géant des mers coûte 2 ou 3. Mais là il a rien de tout ça. Donc ça se met pas bien pour lui, hein, évidemment. Je vais pas en rajouter une couche. Comme j'ai dit, je joue quand même autour de Plague, qui pourrait être quand même embêtante. Donc du coup je vais pas en rajouter une couche. Je vais juste voilà, continuer de smork comme ça. Ah. Tu appelles deux. Oh, tu as complètement perdu là. Voilà, faire un totem au final c'était pas déconnant. Je me suis dit, ah c'est pas bien de faire totem pour jouer autour de Plague. Et au final, vu que t'as le flame tongue, quand t'as le flame tongue en main ou un loup alpha, ça lui mettra plus la pression si bah, y a un truc de chaque côté que s'il y a seulement un truc quoi. Donc du coup, ah, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. La partie était vite en plus. C'est ça en fait la force du deck. Et le démo en fait c'est sa force aussi, c'est que ça peut aller très très vite. Par contre là, c'est un zoo. Hein. Déconne pas mec, t'es un zoo. Please. We have turned our curse into our strength.
Alors, donc c'est bel et bien un zoo. Oh la vache, le totem de l'île qui se met super bien. Ah si, il fait rien prochain tour, je le casse en deux. Parce que ça va partir sur Flametongue et ça. Faut toujours gérer son board, hein, avant toute chose. Priorité absolue. Je peux Flametongue gérer avec les deux là, en fait, qui servent pas à grand chose. Et poser le totem. Je pense que c'est pas déconnant. Comme ça, on lui met quand même pas mal de pression là. Il aura même envie de Soulfire le totem. Sinon, il est vraiment pas bien. T'as pas envie? Oh. Ça va là. 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 J'aurais peut-être dû le mettre sur le totem en fait. Comme ça, en fait, le totem frappe aussi. Ça aurait peut-être été mieux. Ouais. De toute façon, il a perdu. Hein. Je me suis amusé allègrement avec lui. Genre, il était ma poupée. Voilà. Il était ma poupée. Genre, moi, j'étais en train de m'amuser. Lui, pas du tout. Il posait du board, il était trade. Et puis après, je faisais, ah, il prenait des patates dans la bouche. Après, c'est peut-être le plus 2 sur la 4-2. C'était une erreur. J'aurais dû le mettre sur le totem. Histoire qu'il ne prenne. Déjà, ça le met en deux portées de Soulfire, donc ça se mettait plutôt bien. Ah, c'est un autre. Gardez ça toujours parce que bon bah avant qu'il y ait la Kira. Dans ce match-up contre Zo, ce qui m'est le plus bien, c'est l'espèce de truc à deux là, la 2-3 pour deux. Qui fait 2 points de dégâts, ça counter complètement son play avec ses 2 3-2. Du coup, il est pas bien du tout. Est-ce que là, c'est envisageable de pièce ça? C'est envisageable. L'intérêt de faire ce play. C'est que certains démonistes jouent des buffs. Et surtout, c'est histoire d'avoir une présence sur le board en fait. Parce que si j'avais tenté le 1 sur 4 par rapport au totem, ça aurait été chiant. Enfin, honnêtement, j'aurais probablement perdu. Ok, il est énervé. Après, c'était peut-être trop parce que faire pièce elle c'était peut-être mieux en fait. Genre, je me suis peut-être un peu enjaillé trop. C'était peut-être pas un bon play. Je me suis dit, comme ça, si j'ai un totem qui vient ou un loup, etc., je peux contester n'importe quoi qui a 2 HP. Mais au final, bon, je pense que c'était mieux de se calmer la nouille. Non, surtout qu'on avait Saro donc. Ouais, là, s'il te plaît. Connard. Donc là, ça peut booster encore plus l'autre, quoi. Prochain tour, ça va partir sur Saronite, puis sur elle. C'est pas perdu, hein, c'est rattrapable, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
Ou alors je peux juste lui là-dessus. J'ai vraiment pas envie. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai vraiment pas envie qu'il soigne et qu'il la booste beaucoup. C'est ce qui peut vraiment nous foutre dans la merde rapidement, c'est ça. Là il va en trade un et puis le reste il va les face. Ok. Du coup là on peut Sarro, totem. Ah le play avec la pièce, je le valide pas. Sur le papier, c'était, enfin, dans ma tête, c'était plus intéressant que ça. Mais sur le papier, c'est un peu caca. Genre, si je l'avais fait sur le T2, ça aurait peut-être fait plus l'effet surprise que sur le T1, là. Puis j'aurais pu faire pièce ça, ça aurait peut-être été mieux. Surtout que là, ouais, c'était vraiment pas bien. J'ai vraiment perdu sur ça, en fait. Enfin, c'est pas encore perdu, perdu, mais ça va être compliqué. Il me faut, en fait, ce qu'il me faut, c'est Agatha, maintenant. Ce qui peut me faire pas mourir. Quoi, ce qu'il me faut, c'est Agatha, Kalimos. Pourquoi il est 4-4 lui? Ah, parce que ça a boosté lui. Bon, on a niqué notre win streak comme des cons. Non, mais en fait, dans ma tête, le play était plus intéressant que ça. Mais au final, non, c'était de la merde. Mais je le répète, dans ma tête, c'était le play de ouf. Paladin. J'en croise plus des masses. Donc, je serais tenté de garder ça et ça. Si c'est un. Enfin, ça dépend de la situation, mais s'il me met sous pression, ça c'est bien. Et si j'ai envie de prendre des trades, ça c'est bien. J'ai envie de garder les deux en fait. Désolé aussi, j'ai pas faire chier avec la pièce, quoi. Ah, c'est bien un impair. Après, faut voir si c'est un impair méca ou si c'est un impair. Prochain tour, ça va probablement. Je vais probablement mettre elle. Dust.
protects me. Pas la... Oh. C'est vrai que c'est un élément en fait. C'est plus worse de faire ça. J'essaie de ça gère ça. Oh. Ah mais c'est bien en fait. Genre ce tour est bien. Parce que du coup c'est moi qui ai le contrôle du board. En plus ça m'a fait un élément. Ah ouais. Il a fait fonger, ouais, évidemment. Évidemment. Alors, on peut mettre ça. Gérer la 3-3, je vais l'autre. J'aime beaucoup ce deck. Mais en fait, je l'ai pas beaucoup joué. Là, je suis à peine à 3-2 en termes de score, donc ça veut dire que j'ai fait 5 games avec. J'aime beaucoup ce deck parce qu'en fait, il peut être un peu des deux, contrairement au démoniste où j'ai l'impression qu'il faut être très passif, puis après, tu peux être éventuellement soit continuer dans l'attente et la gérance de board, etc. Ou alors, tu peux être tout simplement dans le smork. Donc, c'est à toi de voir. Alors que là, le deck, tu peux vraiment faire les deux dès le départ, en fait. Donc, ok. Pourquoi il y en a un qui a été dans ma créa? Ah, pour jouer, oui. Ouais. Pas bête. Sauf que j'ai commandé en argent. Il. Allez, good luck, have fun pour passer ça. On est plutôt tranquille. Ce serait bien qu'un truc style Agatha Kalimos arrive. Ce serait vraiment cool. Parce que là, la pression elle commence à être un peu... Je la tenais au début, mais là, enfin, son fongiment ancien l'a mis tellement bien en tempo que c'était un peu compliqué, quoi. Un peu compliqué. Time. C'est game. Sauf si on a Agatha, genre right now. Right now. Right fucking now. Faut qu'on ait Agatha. Si on a Agatha, c'est on retourne la game. Hein. D'autant plus qu'en plus on gère Time. Ah, c'est terrible.
Je peux avoir un LM qui est marrant. Oui, mais non. Six neuf douze, si joue Leroy on est mort, si joue le boost là d'attaque on est mort, si joue Vine Cleaner on est mort, si on est mort sur pas mal de trucs, mais en même temps on ne peut ne pas être mort, donc c'est voilà. Par contre Osric c'est vraiment le pire pick. Ah sur level up on est mort. Sur le level up et une arme, ouais, voilà. C'était une. Alors, au moins, je me suis bien défendu. Je suis content. J'ai réussi à tenir un peu longtemps. Un peu longtemps. Par contre, ce serait bien de pas perdre ces étoiles qu'on a durement gagnées, quoi. Parce que c'est chiant. Bon. Ok. Alors généralement les prêtres à 80% ça va être des contrôles. Après prêtres en ce moment c'est compliqué. Hein. Je sais pas trop, parce que t'en vois quasi jamais. Donc t'inquiète. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut lui mettre la pression genre right now quoi. On dit pas qu'il va pièce. Oh cléric. Fuck. S'il te plaît, fais pas ta pute, va sur la cléric. Là. Comment ça, Hydro 2? Ah oui, Hydro, son truc de début de tour. Ça se met tellement pas bien pour moi. Meb. Est-ce que je pourrais enfin avoir ce petit coup je veux? What? C'est pas vrai! Il est dissident ce putain de moustachu de mort là! Toujours! Putain, et s'il jouait un deck avec un deck full doré? Ah bah oui, parce qu'il avait la pièce dorée. Donc oui, il jouait avec un deck full doré. Le bâtard. Alors, chose intéressante, on peut gérer. On peut gérer le rip-hop de la 0-3 si ce fils de pute de moustachu fait ce qu'il veut, fait ce qu'on lui demande. On a deux chances, on va dire.
Putain, mais c'est un film de cul, mais touche! Voilà. Ce fils de pute de moustachu qui me casse les couilles, mais d'une force, oh, cosmique. Ça va, on a le trade dessus. Mais putain. Il a combien sa cut? 4 sur 7. Ok, c'est bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, cette game. Il peut gérer la 6-5, mais jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je m'en fous. Songer l'étal, en fait. Voilà. Allez, on revient. C'est le comeback. C'est le comeback. C'est un paladin. On va garder les deux là, on va virer ça. Ah, j'aurais peut-être dû le garder en fait, ce qui va mettre du board. Donc, je sais pas. Ouais. None will survive. We have turned our curse into our strength. Converting stored energy. Oh. J'aurais peut-être dû le mettre. J'aurais dû le mettre à droite. J'aurais dû le mettre à droite, comme ça le taux il est 1-2 et pas 0-2. Reporting for duty.
Ce fongi de merde. Il y en a à l'acquire, donc les autres elles vont servir à rien. Je sens la deuxième en main, c'est terrible. Ok, ouais. Quand même le poser pour évidemment le body. Hein, c'est une 1-3 pour un 2. Ah, la game est tendue. Des deux côtés en fait, ça sort ses trucs. Prochain tour, éventuellement, c'est Alakir qui part. Pour gérer deux créas. Tant qu'elles sont encore petites. Ce qui ne peut évidemment pas trop tarder. Oui, ça va être complètement à l'acquire là qui part. Ah mais c'est un Van Cleaner qui l'a en... Ah ouais. Son tour va faire mal. Il faut qu'on ait Agatha. Encore une fois, c'est ce qui fait carrer le match-up. C'est Agatha, hein. Il n'y a pas autre chose qui fait carrer le match-up plus qu'Agatha dans ce match-up en question. Et évidemment, on ne l'a pas. Du coup, on va juste développer tous ces taunts là et espérer croiser le doigt, les fesses, ce que tu veux, qu'il ait rien pour booster ses créas. S'il a quelque chose pour booster ses créas, à ce moment-là, on a juste lose si on n'a pas Agatha. Parce que tant qu'il ne peut pas faire level up, il se met pas en dehors de portée d'Agatha. Enfin, d'Agatha, oui, c'est ça. Mais putain, genre, je l'ai crafté exprès la dernière fois, cette grosse pute. Tarim, c'était aussi un sujet que je voulais éviter, hein, évidemment. Tout ce qui était buff en question. Va être compliqué si Agatha n'est pas là. Allez, Agatha. Ah, je fais le coup là, Agatha, fils de pute, Agatha. Fuck, mais ça fait deux fois que je perds parce que j'ai pas cette grosse pute qui vient, quoi. Oh. C'est frustrant. Je suis frustré. On n'est pas mort, mais là si, nique ta mère, Agatha, la grosse pupu, qui nique vos games face à Paladin Impair, Agatha, la grosse pupu, sur ce je vais m'arrêter.